J'ai réussi à obtenir plus que 2 millions d'XP en 5 minutes sur Palworld et je vais vous expliquer comment. Alors pour réaliser ce glitch, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaqué un citoyen pour avoir un avis de recherche. Alors j'aurais très bien pu aussi me rendre à la téléportation Amo et tirer sur un soldat de la milice pour avoir une alerte. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigé vers le combat de boss le plus fort du jeu qui est dans la tour tout en haut de la map. Après, ça fonctionne avec n'importe quel boss de n'importe quel tour. Par contre, pour que le glitch fonctionne, il faut se dépêcher parce que si vous mettez trop de temps, l'avis de recherche risque de disparaître. Donc ensuite, quand j'étais dans cette tour face au boss, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de mettre le boss entre moi et les soldats de la milice pour que les soldats de la milice tirent sur le boss. À ce moment-là, ça a fait bugger le boss, il a foncé contre un mur et quand il était contre le mur, j'ai lancé une sphère de pales pour le capturer. Et quand j'ai réussi à le capturer, j'ai carrément gagné plus de 2 500 000 XP. Alors il faut savoir qu'en temps normal, vous aurez gagné plus ou moins 100 000 à 150 000 XP. Mais j'ai utilisé une petite astuce pour en gagner 20 fois plus que je vais vous expliquer juste après. Donc quand vous avez réussi à capturer le boss, ce que vous allez devoir faire pour quitter la tour, c'est tout simplement d'appuyer sur option et de cliquer sur mourir pour réapparaître. À ce moment-là, vous allez mourir, donc c'est totalement normal. Vous aurez plus qu'à aller vous rendre au pied de la tour pour récupérer votre sac à dos. Alors il faut savoir que cette technique fonctionne en illimité. Donc si je refais le glitch encore une fois, j'obtiendrai toujours les 2 500 000 plus ou moins. Et si je le fais en illimité, à chaque fois que je le ferai, j'obtiendrai 2 500 000. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'astuce qui m'a permis de gagner 20 fois plus d'XP. Donc pour réaliser cette astuce, vous avez juste à sélectionner votre partie, ensuite de cliquer sur modifier les paramètres du monde et cliquer sur paramètres de personnalisation. À cet endroit, vous aurez plein de paramètres modifiables, mais celui qui nous intéresse, c'est le troisième, donc l'XP obtenu. Là, vous allez carrément pouvoir mettre 1x20. Donc si vous voulez level up super rapidement, vous avez qu'à mettre ce paramètre en x20, ensuite de réaliser le glitch, et là, vous allez monter niveau max super rapidement.